qu'est-ce que tu obtiendrais en mélangeant de l'eau oxygénée et de la levure? Est-ce que tu sais que tu peux réaliser des expériences de chimie spectaculaires à l'aide de matériaux et objets de tous les jours? Des volcans colorés, des bombes de bain aromatiques ou encore des décorations de table. Allez, c'est parti! Les volcans géants sont nos premiers sur la liste. Tu ferais mieux de les faire à l'extérieur. On a préparé ces ballons. Mélange du liquide vaisselle avec de l'eau oxygénée à 30%. Ajoute plusieurs gouttes de colorant alimentaire. Verse de la levure sèche active et secoue. Voilà une réaction époustouflante! C'est un super volcan! Fais attention de ne pas le refaire à l'intérieur de ta maison. Faisons une autre mixture. Verse à nouveau le liquide vaisselle dans l'eau oxygénée. Ajoute quelques gouttes du colorant alimentaire et de l'iodure de potassium sous forme de collyre. Mélange bien. Fais un pas en arrière et attends que la réaction fasse son effet. On a un volcan de mousse géant. Tu peux continuer à le colorer. Il y a plein de mousse aux couleurs vives. Pour la troisième expérience, on se servira de bicarbonate de soude. La salle de bain sera l'endroit parfait pour faire une expérience pareille. On va te montrer les mini-volcans colorés sur la surface d'une table pour que tu vois clairement comment ça fonctionne. Prends des petits pots en plastique. Verse 2 cuillères à café de bicarbonate de soude. Ajoute un peu de colorant alimentaire et de l'eau et mélange bien. On obtient de la neige aux couleurs flashy. Verse du vinaigre dans les pots et attends-toi à voir la magie opérée. C'est parti! Les volcans créent de superbes arcs-en-ciel. Continue jusqu'à ce que les pots soient vides. Façonnons un volcan. On aura besoin de bicarbonate de soude et d'eau. Malaxe bien. Pose la pâte sur la surface de la table. Forme un volcan avec un cratère. Fais-le plus haut. Ajoute la soude à l'intérieur. Prends n'importe quel colorant liquide. Rends le volcan flashy avec des rayures. Mélange les restes de colorant rouge avec la soude. Mets-la dans le cratère. Verse le vinaigre. Quelle lave-mousseuse exceptionnelle nous avons! C'est l'éruption la plus spectaculaire que nous n'avons jamais vue.
Tu peux ajouter des couleurs pendant que la réaction continue. Les expériences avec un volcan peuvent être pratiquées dans la salle de bain ou à l'extérieur. On les a faites sur la surface d'une table pour qu'elles soient bien visibles et qu'on comprenne mieux comment elles fonctionnent. Réalisons maintenant un verre à rayures comme objet de déco unique pour la cuisine. On aura besoin de liquide ordinaire de différentes densités. Verse-les dans des gobelets en plastique. On va faire 6 couches colorées. C'est parti! Le miel a la plus grande densité. Commençons avec lui. Puis le sirop fruit essuie. Utilise celui de ton choix. La troisième couche est le liquide vaisselle de couleur vive. Maintenant, éjecte graduellement de l'eau colorée par-dessus à l'aide d'une seringue. Fais attention de ne pas tout mélanger. La prochaine couche est de l'huile. Puis vient le lave-vitre à base d'alcool ou de l'alcool à 90 degrés. Tadam! Le verre aux rayures attrayantes est prêt pour décorer ton intérieur. De la fabuleuse mousse élastique est la prochaine expérience Solalis. C'est facile à réaliser et amusant de jouer avec. Verse de l'eau chaude et ajoute de la gélatine. Fouette bien. Ajoute du liquide vaisselle. Fouette à nouveau. Mets quelques gouttes de colorant alimentaire. Continue de fouetter jusqu'à ce que la pâte soit homogène et de consistance assez dense. La mousse rose est prête! Réalise une mousse d'une autre couleur. Voici un conseil. Utilise du savon écologique comme tu en auras sûrement sur les mains. On obtient une mousse bleu ciel. On aimerait que ce soit comestible. Une teinte jaune apportera de la chaleur à ce rang de couleur froide. Prends une grande boîte en plastique et verse les mousses dedans une par une. D'abord la vague bleue, puis la rose. Et enfin la jaune. Maintenant tu peux dessiner. C'est tellement agréable au toucher! On a mélangé plein de couleurs. Maintenant, c'est l'heure de prendre un bain aromatique. Préparons-nous. On va faire des bombes aux agrumes. On aura besoin de bicarbonate de soude, 9 cuillères à café, d'acide citrique, 5 cuillères, d'amidon, 3 cuillères, d'arôme naturel à la vanille, de quelques gouttes d'huile essentielle, on a choisi pamplemousse, d'huile d'olive, 2 cuillères à café et de colorant alimentaire. Malaxe bien pour éviter les grumeaux. Forme les bombes. Prends des moules à gâteau en silicone ou en plastique. On a choisi des moules en forme de coquillage et d'étoiles de mer.
réalise plusieurs bombes. Laisse sécher pendant 10 heures et laisse les sécher 10 heures de plus en dehors des moules. Les bombes de bain aromatiques vont créer de la mousse luxuriante. Les expériences de chimie DIY sont très spectaculaires et exceptionnelles. Mais fais attention quand tu les réalises à la maison. Lâche ton like et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour voir de nouvelles vidéos étonnantes.